Bonjour, donc je m'appelle Lionel Aubert. Si vous avez suivi les quelques parties précédentes dans lesquelles je raconte une histoire, il y a toute une affaire criminelle, etc., dans lequel j'insiste que des agents liés au gouvernement, des agents administratifs qui travaillent dans des instances gouvernementales, plus se sont joints à des policiers, des juges, des magistrats, des procureurs, pour monter une affaire de toutes pièces contre moi. Alors, là, vous dites non, non, c'est pas possible, ça n'existe pas. Bien sûr que si. Je vais citer un article de l'Express qui montrait que cette agence gouvernementale qui s'appelle la DACG, il y en a deux. On va aborder aussi le BAS, la Brigade des affaires spéciales ou spécialisées, peu importe. Donc cet article de l'Express montrait qu'il y avait 50 000 dossiers en France qui étaient suivis par ces agences gouvernementales, dont la DACG, et je fais partie de l'un de ces dossiers. Et il faut savoir aussi que ce sont plusieurs personnes dans la France. Il suffit de petites personnes locales qui ont quelques petites fortunes, un petit terrain que des promoteurs immobiliers veulent acheter, ou alors un brevet pour une société, ou alors une personne âgée qui a une petite fortune et on veut faire main basse là-dessus, etc. Et il y a des milliers de cas comme ça. Ce que les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'ils croient que ce sont des personnes locales qui vont mettre la main dessus. Et en fait, une bonne partie de ces cas-là sont centralisés à Paris et il y a tout un système mafieux qui est derrière. Et je vais donner des noms et je vais donner des explications. La nouveauté aujourd'hui, si je fais cette vidéo, c'est qu'il y a un outil qui a été mis à disposition, un outil d'intelligence artificielle qui s'appelle le chat GPT, qui est de l'intelligence artificielle, Open AI, Artificial Intelligence, qui va permettre à chacun de nous de vérifier les dires. Donc, je vais parler de cet outil-là tout à l'heure. Juste avant, je voudrais une précision, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent « Oui, Lionel, qu'est-ce que tu as eu ?» ou alors « Qu'est-ce qui s'est passé ?» C'est une affaire familiale, parce que ça, c'est ce que disent les gens, et je vais dire non, même si j'ai fait certaines présentations qui allaient dans ce sens-là. Je rappelle, en 2008, il y a eu une affaire de kidnapping d'enfants, de ma belle-fille qui est prétendue kidnappée au Congo, et ma famille va verser plus de 40 000 euros. 40 000 dollars, peu importe, voilà. Et ce qui va y avoir, c'est que plus tard, je vais me rendre compte qu'il est possible que ce soit mon épouse qui ait fait ça. Et on va me dire, mais non, Lionel, c'est toi qui as été volé, ce n'est pas... laisse tomber les policiers, ils y sont pour rien, ou quoi. Et là, je vais juste préciser quelque chose, parce que ce n'est pas mon ex-épouse qui me fait des problèmes. On a divorcé depuis. Ce n'est pas elle qui a le bras long avec les policiers, les juges, les magistrats. Ce n'est pas vrai. Ceux qui me font des problèmes, c'est à partir de 2012-2014, où on a tenté de me faire passer pour fou pour différentes raisons, notamment des faux papiers ou des faux documents de ces agents administratifs. Donc je reviens quand même à 2008 pour déplayer une question, pour dire non, ce n'est pas mon ex-épouse qui me fait des problèmes, c'est qu'en droit français, il va y avoir deux raisons. La première, c'est qu'en droit français, il n'y a pas de vol entre époux. C'est connu. C'est-à-dire que quand vous êtes en couple, on n'avait pas d'économie, on avait un compte joint commun, et ben s'il y avait eu 40 000 euros, déjà on était pauvres, on n'avait pas cet argent-là, mais s'il y avait eu 40 000 euros, et ben, elle n'a pas besoin d'inventer une telle histoire, elle prend l'argent pour elle-même. Ça, c'est la première approche. La deuxième approche, c'est qu'en étant en couple, je parle bien de la loi française qui dit qu'il n'y a pas de vol entre époux. La deuxième approche, c'est que on va pas se voler soi-même. C'est-à-dire que si jamais il y a ce kidnapping et on verse une rançon, mon épouse ne va pas prendre l'argent de la rançon pour ensuite, durant des années, rembourser le même argent. C'est pas logique. Voilà. Donc ça, je veux déblayer les arguments ou les mauvais arguments des personnes qui disent non, c'est une affaire entre vous, une affaire familiale. Ce n'est pas vrai. Ça, le premier point, donc, il n'y a pas de vol entre époux. Et le deuxième point, c'est qu'on ne peut pas voler quelque chose qui n'existe pas. Mon épouse connaissait notre état de fortune. On n'avait pas d'argent. On ne peut pas voler de l'argent qui n'existe pas. Elle ne va pas déclarer un enfant kidnappé pour demander une somme d'argent qu'elle sait qu'elle n'obtiendra jamais. Voilà. Donc ça, c'est deux points qui sont très, très importants. Pour beaucoup d'internautes qui regardaient les vidéos, enfin pour les quelques internautes qui regardaient les vidéos,
Donc vous ne connaissez peut-être pas la loi, pas ces points de ces détails de juridiques, hein, mais les policiers, eux, les connaissent, les policiers, les juges. Et donc quand je me suis plaint de cette affaire, il y a eu un colonel de gendarmerie qui suivait l'affaire du kidnapping, qui a foiré l'affaire, parce que lui, il connaît la loi, il sait qu'il n'y a pas de volonté fou. Les policiers qui nous suivaient, ils pouvaient, d'ailleurs, ils l'ont fait, ils avaient demandé au moment de la rançon, c'était le TRACFIN, l'organisme d'État qui traque les transactions de fonds bizarres, le blanchiment, etc. Et donc ils avaient accès à nos demandes et ils savaient qu'on avait zéro sur le compte en banque. On ne peut pas voler quelque chose qui n'existe pas. Et les gens de l'État le savaient. Nous, on a pris conscience de ça plus tard, mais pas. Mais les problèmes sont apparus en 2008, lorsque 6 mois après que j'ai déposé plainte, ce sont des gens de l'État, sans faire aucune enquête, qui ont vite étouffé l'affaire. C'est ce colonel qui s'appelle Bernard Tomalak, il est dans le Calvados. Si vous voulez vérifier, s'il y a des fact-checkers qui veulent vérifier tout ce que je dis, allez-y, amusez-vous. Il s'appelle Bernard Tomalak, vous le contactez, vous lui dites pourquoi tu as dit que l'histoire de la rançon qui a bel et bien été payée, on a des preuves, l'argent est sorti de banque, on ne sort pas 40 000 euros comme ça pour rien. Voilà. Donc ça, c'est le point familial en disant ce n'est pas une affaire qui est de mon ex-épouse et moi, c'est pas une affaire entre personnes, j'allais dire, entre simples individus civils, entre simples justiciables. Le problème que j'ai, c'est un problème avec des policiers et des juges. Et des procureurs surtout, c'est eux qui tirent les ficelles, et des agents gouvernementaux. Je vais dire lesquels. J'ai parlé de la DACG, donc maintenant c'est on laisse tomber l'affaire familiale, on va passer à l'affaire d'État. La DACG, ça va être le premier organisme dont je vais parler, le deuxième va être le BAS, la BAS, Brigade des Affaires Spéciales. La DACG, c'est la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces qui se trouve au ministère de la Justice, place Vendôme à Paris, et c'est eux qui remontent toutes ces affaires et qui donnent des instructions aux procureurs. Alors officiellement, dans les journaux, vous allez lire « Ah non, le ministre ne donne jamais d'instructions », etc. Alors, ce n'est pas vrai, il donne des instructions, mais c'est pas condamnable, parce qu'il n'y a même pas, d'interdiction formelle, c'est-à-dire que si le ministre donne des ordres d'arrêter telle ou telle procédure ou de fausser ou de tout ça, que ce soit des ministres, pardon, ou que ce soit des agents qui travaillent pour cette agence. Parce que quand vous avez 50 000 dossiers, n'allez pas croire que c'est le ministre qui change tous les quelques mois ou tous les quelques années qui va donner des instructions. Ce sont des agents gouvernementaux, des fonctionnaires qui travaillent au sein de ces ministères, qui vont donner des consignes pour ces 50 000 dossiers, ou même s'ils ont diminué à 10 000, ce qui m'étonnerait, mais voilà, entre 10 et 50 000, ce n'est pas possible qu'une personne unique centralise ça. Donc, même si je parle du ministre, c'est d'une manière générale, c'est d'une manière imagée. En fait, il s'agit d'une organisation avec beaucoup de fonctionnaires, et eux, ils se mettent de l'argent dans les poches, etc. C'est une organisation mafieuse, ces fonctionnaires. Voilà, donc pour la DACG, ils ont ce bureau avec un chef de la police qui va tendre des pièges, et ça c'est ce qui m'est arrivé en 2014 avec une voiture qui venait d'un département autre, qui était les Alpes-Maritimes, Nice, qui est à 3 heures de route de chez moi, etc., qui ne devait pas se trouver là. J'ai une autre vidéo où je détaille tout ça. Aujourd'hui, je ne vais pas détailler. Vous vous référerez à une vidéo où je parle du piège de la DACG. Vous tapez les mots-clés « piège DACG », vous tomberez sur cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai parlé de l'intelligence artificielle. Et justement, il y a quelques temps, j'ai fait une dernière vidéo où je disais « je suis en danger parce que des policiers ont inventé que je voulais me suicider ». Or, je n'ai aucune tendance suicidaire, j'ai pas envie de me tuer. Voilà, si vous me trouvez, entre guillemets, suicidé, ce n'est pas vrai, c'est un assassinat. J'espère qu'ils iront pas jusque-là. Mais voilà, donc je n'ai pas de tendance suicidaire, ça aussi c'est une autre vidéo que j'ai faite. Et ce sont des policiers de la brigade des affaires spécialisées qui se sont mis en combine avec un psychiatre pour inventer ce document. Et ces policiers ont apporté des faux documents aux policiers pour faire croire que des faux documents aux psychiatres pour faire croire que j'aurais des tendances suicidaires. Mais ce n'est pas vrai. Voilà. C'est la première partie des faux documents. Cette brigade m'a arrêté un matin
Et ils ont voulu me faire signer, comme quoi je demandais un médecin, etc. Et j'ai refusé de signer, puisque je disais, j'ai pas besoin de voir votre médecin. Je voulais un avocat, mais pas de médecin. Et eux, ils sont passés en force. Ils ont essayé. Alors peut-être qu'ils étaient en combine avec un médecin qui devait faire des faux documents, parce qu'on sait que les médecins font des faux documents. Dans l'épisode passé du coronavirus, avec le Covid, on a vu qu'il y avait des médecins qui racontaient n'importe quoi. Par exemple, ils disaient que les vaccins, ça empêche la transmission, ou ils disaient des choses comme ça, et ce n'était pas vrai. Je referme cet épisode, mais en tout cas il y a des médecins qui font des faux documents, ça voilà, de la même façon qu'il y a des policiers qui font des faux documents, etc. Donc ils s'étaient mis en combine et j'ai pu échapper à ça. Alors après ils ont remis une couche, et cette fois-ci ils ont remis un autre psychiatre où là je n'ai pas pu échapper, voilà. Mais il ne m'a rien trouvé. Là encore, je vous renvoie soit à mon site lionelaubert.info qui est sauvegardé sur le site américain archive.org. Si jamais le site français disparaissait, était censuré, allez voir le site américain. Donc je mets les documents en ligne et je montre que ce sont des faux documents qui sont faits par cette brigade des affaires spécialisées. Je reviens maintenant à l'intelligence artificielle, à ce programme d'intelligence artificielle, et je vais souligner quelque chose qui est nouveau et qui va être embêtant. Quand on fait une recherche sur la BAS, la brigade des affaires spécialisées, on trouve rien. C'est-à-dire, vous allez sur un moteur de recherche, il y a deux concurrents connus qui sont Google ou Bing, vous allez sur l'un ou sur l'autre, vous tapez BAS, Brigade des Affaires Spécialisées, il n'y a rien, rien, rien. En 2008, il y a quelqu'un dans un forum qui dit c'est un ancien policier et que la BAS est un mythe. Voilà. Mais à part ça, et pourtant, les documents que j'ai, dans ma vidéo précédente, on voit bien, c'est bien écrit Brigade des Affaires Spécialisées. Je donne le nom de la policière qui est auditionnée. Elle s'appelle Justine Veranini. Et elle existe, cette dame. Et je donne le nom de la chef qui s'appelle Carole, ou le prénom. Donc ces gens-là existent. Et pourquoi on ne les trouve pas dans les organigrammes de la police, même à Marseille, même nationale? Pourquoi cet organisme disparaît? Alors, j'ai posé la question à l'intelligence artificielle récente, là, qui vient d'ouvrir. Tout le monde peut s'inscrire. Et on m'a répondu que cet organisme dépendait du ministère de l'Intérieur à Paris, qu'il était situé à Marseille de la même façon que une brigade de répression du banditisme, ou je sais plus laquelle, des fraudes, est basée à Lille. En fait, ils ne sont pas tous centralisés à Paris, mais ils dépendent directement du ministère de l'Intérieur. Ils ne dépendent pas de la structure des Bouches-du-Rhône. C'est-à-dire que cette brigade BAS, qu'on ne trouve pas dans les organigrammes, je maintiens qu'elle est tenue secrète, ils ne s'en vantent pas trop, il faut utiliser des outils d'intelligence artificielle pour aller les déceler. Faites l'expérience, vous pouvez y aller. Donc il se cache au sein du ministère de l'Intérieur en France, une brigade spéciale qui va faire des gros trafics. Ils vont faire, ils vont traiter du terrorisme, du blanchiment d'argent. Ils vont traiter de la fraude fiscale. Ils vont traiter du proxénétisme, je crois, etc. Mais ce sont beaucoup d'infractions à très haut niveau. Et moi, dans mon affaire, c'est une simple policière, une simple brigadière de mon commissariat qui a porté plainte contre moi. Et vous croyez qu'ils vont dépêcher des gens à Paris pour dire « Ah ben, on va prendre ces services de la brigade spéciale, brigade des affaires spéciales, pour embêter Monsieur Aubert qui dit du mal, parce que j'ai même pas porté plainte contre cette policière, qui dit du mal d'une petite brigadière à Istres. » Vous êtes fous. Les gens qui pensent ça, ils sont fous. Ce n'est pas, ils vont pas déplacer une grande organisation contre moi. Parce que j'insiste, la BAS n'est pas une organisation des Bouches-du-Rhône, c'est une organisation parisienne qui dépend de la direction de la sécurité publique, DSP, qui dépend immédiatement du ministère de l'Intérieur. Voilà. Donc il y a contre moi quelque chose qui est très gros. Et ce n'est pas non plus l'affaire du colonel ou quoi. Ce qui se passe, je maintiens que je suis un témoin vivant d'un piège qui a été tendu par la DACG en 2014. Je vous renvoie donc à une autre vidéo qui s'appelle «
piège de la DACG. Elle est longue, elle dure 40 minutes pour comprendre. Il faut comprendre aussi que vous êtes capable de regarder des téléfilms d'une heure ou quoi, des histoires policières, mais et dès qu'il y a une petite vidéo où on vous explique certains mécanismes qui sont beaucoup plus compliqués, parce que il faut pas croire qu'au sein de l'État, ils prennent des scénaristes à deux balles, façon de parler, pour écrire des choses compliquées. Ils font, durant des années, ils font des combines, ils apportent beaucoup de réflexion pour rendre des choses très difficiles, pour s'invisibiliser, devenir invisible sur le net, pour ne pas être retrouvé, etc. Il ne faut pas croire qu'ils vont laisser d'une manière complètement, j'allais dire banale, en disant ben oui, ben on envoie quelques policiers arrêter Monsieur Aubert, tout ça. Non, ils font des choses vraiment compliquées. Et il y a des assassinats, je ne suis pas le seul, il y a des disparitions forcées. Ils prennent les gens, sans aucune raison, ils vont les mettre en psychiatrie, voilà. C'est vraiment compliqué, mais merci à l'intelligence artificielle, au chatbot GPT. Et à bientôt pour d'autres nouvelles. J'espère qu'ils seront bonnes. Mais allez fouiller du côté du gouvernement. Il y a de quoi faire tomber. Moi, je dis le gouvernement. Les différents gouvernements. C'est pas les présidents qui changent, que ce soit Hollande, que ce soit l'actuel Macron, etc. C'est pas eux. Eux, c'est des pantins. Mais derrière, il y a toute une organisation. Et pareil pour les ministres. Le ministre actuel de la justice ou l'autre de l'intérieur, ce sont des pantins. C'est pas eux. Eux, ils vont changer et ils vont remettre un autre pantin. Quand ils vont tomber. Voilà. Mais derrière, il y a des agents administratifs qui, eux, sont des mafieux et qu'il faut faire tomber. Merci pour votre attention et à bientôt, j'espère, pour de meilleures vidéos. Merci.